Donc quand moi je vois des articles où on te prête des relations avec Valentin Lucas, l'ex de Caroline Receveur, c'est-à-dire que c'est totalement bidon. Bah oui. C'est totalement faux. Parce que tu les as lus aussi, comme moi, certainement les articles des rapprochements de Valentin Lucas, l'ex de Caroline Receveur et Amy Makeup Pro. Non, non, non. Alors, Valentin, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un que je connais depuis, je crois, 4-5 ans quand même. Et c'est quelqu'un de charmant, c'est un très beau garçon. Il n'y a aucun souci là-dessus, tu vois. Mais moi, avant que je me rapproche vraiment de quelqu'un, comme je t'ai dit, j'ai eu que 3 relations. J'ai beau m'habiller sexy, me maquiller énormément, faire de la pole dance, je peux t'assurer que je suis très, très, comment dire, ben, j'ai du mal. Parce que, encore une fois, c'est comme mon amitié, tu vois, j'ai une personne et après, je vois pas trop le reste. Et pourtant, quand je suis restée longtemps avec. Puisque tu l'as maquillée dans le cadre de tes vidéos ouais, Halloween, donc, la semaine de l'horreur, c'est ça? Ouais, je l'ai maquillée, mais j'ai maquillé plein d'autres charmants garçons. Il ne s'est rien passé, quoi. Oui, mais si je te dis ça, c'est parce qu'il y a eu des commentaires, notamment celui-ci, tu parais, de ta team, tu parais vraiment intimidée par Valentin, c'est fou, c'est mignon. Tu les as vus, tous ces commentaires? Ouais, je sais plus. T'étais intimidée par lui? On m'a même dit, ouais, on dirait, tu sais, comment ça s'appelle, les 50 nuances. 50 nuances de gris? Ouais, c'est assez mignon. Écoute, je sais pas, tu l'as vu la vidéo? Tu trouves que j'ai l'air intimidée par Valentin? Intimidée, le mot est peut-être un petit peu fort. Non, mais après, franchement. Je pense qu'il en faut plus pour t'intimider. Ouais, il en faut plus pour m'intimider. Et en fait, c'est surtout que je pense que c'est la complicité et que peut-être que finalement, les. Enfin, tu sais, mes abonnés, mes petits warriors, même le public, ne sont pas forcément au courant. Tu vois, que je le connaissais d'avant. Mais dans ce cas-là, la vidéo avec Max, avec MA2X, c'est beaucoup plus. Peut-être qu'il y a encore plus de complicité parce qu'on se voit beaucoup plus. Enfin. Tu sais, franchement, sur Internet, quand tu mets une photo avec quelqu'un, à chaque fois, on croit que tu es en couple, en fait. Enfin, moi, tu sais qu'on a même cru que, comme je parle jamais de ma vie sentimentale, que j'étais homosexuelle, que j'étais Gwyn et tout, que j'aimais les femmes et tout. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de. Les gens, ils ont beaucoup de fantasmes. Ah, les gens pensaient que tu étais lesbienne parce que tu parlais pas, tu t'affichais pas avec des hommes, c'est ça? Ouais, c'était marrant ça. Ça m'avait fait sourire, ouais. Et tant mieux, même si je l'aurais été, il y aurait aucun problème et je le dirais. Oh, je pense que tu auras assumé. Bah, j'assume tout, moi. Du moment que c'est toi, il faut être naturel dans la vie. Moi, j'assume tout ce que je dis. Mais alors, par contre, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu étais intimidée par... Par Valentin? Non, je ne suis pas intimidée par Valentin. Ouais. Mais c'est ça pourrait être ton genre de mec? Si tu n'avais pas la personne que tu as en tête, est-ce que ça pourrait être le genre d'homme sur lequel tu te retournerais? Avec lequel tu aimerais avoir plus d'échanges, de discussions, je ne sais pas. Ah, avec Valentin? Bah, pourquoi pas? Après, il t'a dragué? Non. Non? Non, non, non. Vous êtes amis? On est potes, ouais. Mais ça fait longtemps. Même quand il était Caroline Receveur, vous étiez amis également? Ouais, on se parlait déjà, ouais. Donc, non, non, il y a vraiment, il y a rien, quoi. Non, non, on est vraiment, on est potes. Mais c'est bien, c'est marrant, tu vois, les gens. Bah, d'ailleurs, on a aussi cru que j'étais en couple avec, on s'en amuse beaucoup, avec mon ami Charles de Fast Good Cuisine. Et, ah oui, tu, non, oui. Et tu vois, ça pourrait prêter à confusion parce qu'on a passé le jour, on est souvent ensemble, on a passé le jour de l'an ensemble. Enfin, je veux dire, j'ai pu dormir avec Charles, il se passe rien, c'est mon ami. Avec Max, des fois, elle m'a dit qu'il vient chez moi, c'est pareil, tu sais, j'ai un tout petit appart, je dors avec Max, mais il n'y a rien. C'est amical. En fait, on a le droit d'avoir des amis. En tout cas, moi, encore une fois, j'ai certaines valeurs et voilà, quoi. Quand ma tête, elle est là, tu vois, elle ne sera pas partout en même temps, quoi. Donc, même si je suis célibataire depuis longtemps, tu sais, mais voilà, quoi, je ne vais pas ailleurs. Depuis combien de temps t'es célibataire? Oh bah on va dire ça fait quand même entre guillemets 2 ans. Hein. 2 ans. Mais j'oublie pas l'autre personne. Et ta relation de 5 ans c'est terminée donc il y a 2 ans. Bah ouais on peut dire ça entre guillemets. D'accord. Ah c'est très compliqué.